What's up, gens d'internet? J'espère que vous allez bien. On se retrouve en compagnie de mon ami Jobilit pour un nouveau base tour. Comment vas-tu, Jobilit? Bien, et toi? Ça va très très bien. Mon ami de base tour, aujourd'hui, on va faire une base un peu spéciale parce qu'il y a ce joueur que je me suis tapé. Il s'appelle Dem Kebab. Il est devenu Tira sur le serveur. Et j'ai vu qu'il a laissé un commentaire sur la vidéo. On va faire 4 bases aujourd'hui. Donc voilà, juste parce qu'il a acheté le grade Tira, je pense qu'on pourrait bien présenter sa petite base vite fait. Puis on pourra donner une petite note si tu veux. Mais c'est juste un cube d'obsidienne avec des spawners. Donc on va commencer par le bas. Donc on peut voir ici qu'il a fait des coffres protégés avec ses protections. What the fuck, comment il ouvre ces coffres-là, man? Il n'y a aucune façon d'ouvrir ces coffres-là, en vrai. Ah oui. Ah ouais. Ouh, du P4. Du P4. C'est tout du P4 dans le fond, puis ça, ça doit être ses épées. Parfait, ici, ça doit être ses coffres de merde. Il y a son cheval ici qui... Oh oui. Ah, ok, c'est bon, je rigole. Vu qu'il est Tira, il peut mettre les panneaux en couleur. Donc ça, c'est un des avantages, d'ailleurs, du Tira. Donc il a mis des panneaux en couleur ici. Là, c'est quoi? Ça doit sûrement où ce qui spawn pour protéger en anti, un anti-spawn kill en gros. Si on monte en haut ici, il y a des spawners de blaze. Donc 2, 4, 6, 8 spawners de blaze. On monte encore en haut, des petits champs puis des trucs pour récolter. Donc voilà, un petit tier up. Vous voyez pas, même si vous êtes tier up, vous n'êtes pas nécessairement super riche. Puis l'écart de la base, slash top, c'est un truc, un sem shit. Puis il a pas fini de faire sa base, mais en gros, ouais, c'est un truc en sable, un corps de sable. Donc voilà, j'oublie ta note sur 10. C'est pas super décoré, donc je mettrais un petit 3. Ouais, je mettrais un 3 aussi, mais tu sais, c'est un Tira, fait que on peut juste l'aimer. Oh shit. Oh shit. C'est une bonne protection quand même, par exemple, à sa base. So, ouais, moi je vais mettre un petit 3 aussi. Et puis les amis, on se retrouve directement pour une nouvelle base. What's up les gars? Donc on se reprend de trouver une petite base de commentaires qui vient de la part de iCubo-du-bas. La faction Hope avec un 0. Le home, c'est home BP, donc c'est ce que j'ai fait, et ça nous amène en bas, mais je veux garder la surprise en bas avant. Donc je suis monté tout en haut de la base, c'est une base protégée en full upsie les amis. Aujourd'hui on va faire un petit peu full upsie protect, un épisode spécial full upsie protect. Pourquoi? C'est très simple, parce qu'il y a énormément de bases qui sont full protect en upsie. Puis on va faire un autre épisode tout de suite après qu'on va pré-record, vu que moi puis Jobilit on aura peut-être pas le temps de se capter la semaine prochaine pour tourner l'épisode. Puis vu que vous savez c'est avec lui que je tourne les basse tours, on va faire deux vidéos basse tours, un après les autres. Donc la prochaine vidéo que vous allez voir le basse tour va être pré-fait. Énormément de P4 ici de Calis, what the fuck. Donc 3 coffres secure ou 4, j'imagine qu'il y en a 3. J'en ai juste vu 3, toi 3 aussi, je pense. Ici ça doit être leur effondre. Wait, non. Ça drop ici. Oh! Et attends, ça descend ici. Ensuite il y a des coffres, donc ils doivent avoir rien. Il y a quand même du stuff dedans. Ici on peut voir, ouh, 2. 4 spawners. 4 est-ce de cave. Ah oui, c'est là. Il en manque deux dans les autres. Ici, ensuite, on a quoi? Wapelai, wapelai. On a un... Ouh! Une petite ferme à Underman. Genre, j'aime bien comment c'est fait, les trucs. Toi, tu descends par là, moi, je descends par là. So, une petite ferme à Underman avec 2 spawners Underman plus 2 arbres pour les péter. Là, je sais pas trop ça sert à quoi. Mais bon, c'est pas grave. On va aller ici. Attends, j'oublie, ferme les portes. Donc, on a ici une salle pour des pigs zombies. J'ai l'impression, on peut aller voir vite fait. Je pense que c'est des pigs zombies qui sont là, right? Comment on peut voir si c'est des pigs zombies ou pas? Je fais slash trou. Slash trou, ta gueule. Non, c'est vrai. C'est vrai? C'est que t'es cave. C'est vrai? Ah oui, ils sont dans le trou là. Ok, on va sûrement pouvoir les voir après, plus tard, t'inquiète pas. Donc, on descend, on a... Les 4 Iron Golem ici. Ensuite, on descend encore. On a... Oh my god, tous les spawners à Blaze Zero. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. 20 spawners à Blaze. Tabarnak. Ensuite, il y a quoi? Toutes les têtes du staff. Ça doit tellement produire, ça. Et puis là, pour la récolte, c'est la place la plus belle de la map, de la base. C'est ça, regardez. Un petit truc du Nether pour récolter les blazes et tout. Bien fait, avec énormément de blaze rolls un peu partout. Ils ont encore 2 œufs de magma crème, je sais pas à quoi ça sert, mais bon, voilà. Ils ont un autre coffre qui est là rempli, normalement, des trucs là, voilà. Énormément stylé cette base, je trouve, personnellement, la décoration. Donc, un petit plus pour vous, les copains. En plus, ils ont un système pour pas se faire frapper de feu. Et puis, regardez, oh my god, c'est bien fait quand même, en vrai. En vrai, c'est bien foutu. Par exemple, j'aimerais ça savoir combien ils ont de pigs zombies. J'arrive pas à trouver où ce qu'ils sont, ces petits pigs zombies. Donc, j'imagine que les pigs zombies doivent être... Ah, là. Ils ont 3... What the fuck?
peux te téléporter à moi. Ah. T'inquiète. Ils ont 3 spawners à zombies, 3 big zombies. Puis c'est bizarre comment ils ont fait la descente, mais. I guess ça fonctionne parce que ça descend en bas là. Ça se stack en bas. Hmm. Ils ont mis un truc avec de l'eau pour mettre de l'anti-shit. Donc voilà. J'oublie ta note sur. Sur 10. Je mettrai un beau 6,5. Pourquoi un 6,5, mon beau? Certes, c'est beaucoup d'obsidienne, c'est grand pis tout, mais j'ai beaucoup aimé la salle Enderman. La salle Enderman? Ouais, avec les petits arbres pis tout. J'avoue, c'était stylé ça aussi. Donc moi, je vais mettre un 8 sur 5. Pourquoi pour un 8 sur un 8,5? Parce que... parce qu'en fait, les gars, je trouve que la salle Nether, la salle Enderman, et puis juste l'aménagement de la base. Faut pas oublier que c'est un cube d'obsidienne comme on a fait aujourd'hui. C'est notre thème aujourd'hui. Puis il est quand même vachement bien aménagé comme cube d'obsidienne. Puis il y a quand même beaucoup de décorations. Puis il y a encore beaucoup de place ici pour faire d'autres affaires. Donc j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va devenir dans le futur. Donc voilà, on se retrouve pour la prochaine base tout de suite après. Bon, on a trouvé notre troisième base. En fait, ils ont pas laissé de commentaires. Mais j'oublie, c'était pas eux aléatoirement. Et c'est vraiment, vraiment stylé comme base. Donc voyons qu'est-ce qu'ils ont. Donc ici, c'est la salle principale, j'ai l'impression. Parce que, genre, il y a des fours, la table d'enchant ici, avec rien qu'on peut voler. Ils ont fait un bar ici, j'oublie. Lol. C'est bien fait, pareil, à vous, hein. Ouais. Par contre, c'est bien fait. Ils ont laissé un commentaire. Ils ont laissé un commentaire? Ouais. Sérieux? Ah, je sais pas, j'ai pas vu le commentaire, excusez-moi. Donc, ici, ils ont une chaise longue, j'arrive pas à m'asseoir dedans. Marche pas. Ici, ils ont des moutons, une farm de moutons. Bon, c'est pas très élevé. On va les aider, on va leur ajouter... voyons voir qu'est-ce qu'on peut leur ajouter. Un peu de mouton, mais aussi un squelette et un gaz. Donc, voilà. Tu l'es pas, ça fait du bruit. Je fais un peu de squid. Bon, baisse tout. Le gars se demande qu'est-ce qui se passe, il est genre, what? Ok, on va arrêter de niquer leur base ici, on a une salle des coffres. Ça crie comme des malades, man. Ensuite, il y a quoi? Oh, une salle des coffres bien faite parce qu'elle est ouverte des deux côtés, ça c'est stylé. Ici, il y a quoi? Champ de verrues du Nether avec une déco qu'ils ont commencé à faire. Ils vont sûrement la continuer. On voit que c'est une base en pleine extension. On repassera peut-être une autre fois voir qu'est-ce qu'ils font. Des grands champs de canne à sucre. Ben, c'est-tu vraiment grand? Ouais. Non, vraiment non. Ici, oh, ça descend, les gros! Oh, ils ont un étage, deux étages, puis ils sont tous la même grandeur, les étages. Trois étages de trucs comme ça, stylés. Stylé. Au deuxième étage, y a-t-il quelque chose de spécial ou c'est juste de la canne à sucre? Absolument pas, c'est la même chose. Ok, ok. Et ici, attendez. Y'a quelque chose d'autre ici, là. Spawner à. Araignée, puis quelqu'un qui est AFK. Un spawner à Enderman. Et un spawner à Underbull. Ok, attendez, ils ont combien de spawners araignées? Ils ont 4 spawners araignées, 2 spawners à poulet. Ici, ils ont quoi? Un spawner Enderman. Ils ont pas de golem? Non. Ok, on va leur faire un petit coffre avec un spawner de golem puis un spawner de blaze. Ok, vu que leur base est vraiment belle, je veux vraiment l'avoir en extension. Puis on va repasser dans quelques semaines, essayer de voir si on peut pas... Attends, on va mettre ça là. Mets un panneau marqué cadeau d'Icons et j'ai oublié. Non, mets cadeau spawner. Toi, mais moi, je vais mettre les spawners. Faut mettre des minuscules de mal. Et Blaze. C'est bon, tu me l'as dit quand t'as fait. C'est bon. Boom. Et boom. Voilà. Puis là, tu peux lui crisser des. Chrisley. Ouais, c'est ça. Ok, let's go. Sur ta note sur 10, j'ai oublié. Moi, je mettrais un beau 8. Moi aussi, je mettrais un 8. Je mettrais un beau 8, genre, de l'internet. Moi, j'avoue, parce que, genre, je sais pas, genre, j'ai l'impression que toute la déco, genre, pas juste une affaire, pas juste une pièce, genre, toutes les pièces sont bien faites. Bon, c'est sûr que la stone brick, c'est un peu répétitif, mais c'est beaucoup mieux que la stone. Et puis, ils ont pas encore découvert leur cadeau. Dites-leur qu'un cadeau, comme ça, ils vont peut-être le voir.
Puis, franchement, genre, je sais pas, je la trouve vraiment, 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 vraiment belle. Et ils ont mis même les têtes du staff, ils ont vraiment, vraiment de belles bases. So, moi, je mettrais un 8 sur 10. Et je vous souhaite une bonne fin de journée, genre internet. Donc, oh oui, d'ailleurs, le 3 septembre, les amis, il y a un gros event sur iFactions. Donc, soyez présents le 3 septembre, un gros event où ce que vous allez pouvoir participer à un event. Je vais faire une vidéo plus précisément pour vous reparler de tout ça bientôt. Donc, laissez dans les commentaires, les amis, votre pseudo. Ainsi que votre BP, votre home de votre base, et aussi le nom de votre faction pour passer dans cette série. Sur ce, les amis, c'est Tycoon et Jobilly, et on vous souhaite une excellente fin de journée. Jobilly, je te laisse le mot de la fin. Bye.